Rémy Rit, forcément tout sourire. Exactement, là aussi une surprise de ce championnat. Hein. Il y a encore une semaine, vous étiez où il y a une semaine ? À une semaine, je jouais avec la réserve de Lorient qui évolue en CFA2. Donc, bah voilà. Les choses ont bien changé là. Vous vous retrouvez au vélodrome avec quasiment 50 000 personnes. Ouais, non, c'est clair que bah, j'ai eu un peu de chance déjà que Fab, enfin de la chance, malheureusement pour Fab, il s'est blessé. Moi, Lionel a pris un rouge. Moi, après, j'ai saisi ma chance. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais bon, bah, j'étais content d'évoluer au Vélodrome pour une première. Comment vous avez vécu ce match, justement, un petit peu en rentrant dans le tunnel et la suite ? Ouais, comme un autre, hein, je veux dire, même si c'est le Vélodrome, ça reste un match de foot, donc pas de pression particulière. Je faisais confiance à mes coéquipiers et tout s'est bien passé, donc c'était bien, quoi. C'était bien. Le seul dans les vestiaires qui fait un petit peu la gueule, c'est, je crois, Ulrich, qui a finalement perdu sa place. Hein. Ouais. Non, il est content. Il a fait un gros match sur son côté gauche, donc je suis content pour lui. Ok, merci. Le sourire de Rémy Rioux, qui aurait été en tout point parfait, William, pour cette rencontre et cette victoire de Lorient. Un grand coup de chapeau à tous les participants à cette rencontre du côté des Lorientais, donc qui décrochent leur deuxième victoire à l'extérieur cette saison. Lorient qui compte désormais 16 points. Lorient qui la semaine prochaine accueillera Nancy. Capone aura purgé son match de suspension. On verra ce que fera Christian Gourcuff.